Oui, la région aujourd'hui est vraiment très impliquée dans le développement de ce qu'on appelle le projet du Grand Paris. Elle est impliquée dans le Grand Paris Express, qui est un grand projet de transport, et elle est impliquée aussi dans une opération qui s'appelle « Dessine-moi le Grand Paris de demain ». Et « Dessine-moi le Grand Paris de demain », c'est un concours d'architecture sur le modèle de réinventer Paris, mais qui s'adressera à toute l'Île-de-France, avec tous ces lieux qui sont aujourd'hui des nouveaux défis urbains, que ce soit la vallée de la Seine dans les Yvelines, la revitalisation de la Défense, que ce soit la coupure verte autour de Villiers-sur-Marne, Ormesson et Sucy-en-Brie, que ce soit la Cité des Cartes, que ce soit le Grand Roissy, le Bourget, Aulnay, dans le Val-d'Oise évidemment, le Triangle de Gonesse, Cergy-Pontoise. Donc nous avons identifié toute une série de territoires dans lesquels il y a des nouveaux quartiers, des nouveaux campus scientifiques, des nouvelles zones d'activité vont voir le jour, et nous avons l'intention de faire du beau, de faire une architecture écologique, durable. Il y a évidemment, je ne l'ai pas cité, mais c'est mon bébé, l'aménagement du plateau de Saclay, qui rassemblera près de 25% de la recherche française sur un même lieu. Donc il faut venir, il faut investir dans le Grand Paris.